Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve mardi soir le 9 avril. La vidéo devrait sortir demain si tout se passe bien. On se retrouve pour un petit point tricot, donc ce ne sera pas une vidéo vlog comme vous en avez l'habitude, tout simplement parce que je n'ai pas filmé en fait depuis la dernière fois. Non, c'est pas vrai, j'ai filmé il y a une semaine, mais en fait j'ai parlé pendant 45 minutes et je me suis auto-saoulée en commençant à faire le montage, donc j'ai tout supprimé et voilà, on repart à zéro. Donc voilà, j'ai pas filmé et aussi j'ai très peu tricoté pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai quand même une grosse tendinite dans l'épaule gauche qui s'est réveillée il y a maintenant 2-3 semaines et qui fait un peu des hauts, des bas depuis. Et en ce moment, je suis clairement sur un bas depuis, ça commence à durer. Et même en ayant considérablement ralenti le tricot, malheureusement, la douleur ne passe pas. Donc, ça fait que j'essaye au maximum de ne pas tricoter autant que possible pour mettre les chances de mon côté. Et aussi, je pense que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ça fait un petit moment que j'ai un peu une baisse d'envie de tricot. J'ai moins envie de tricoter que d'habitude. Donc, je pense que c'est lié à plein de choses différentes, mais comme je l'avais dit, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, on peut pas être à 100% tous les jours de l'année. Je sais très bien que ça va revenir, ça m'inquiète pas, mais juste voilà, en ce moment c'est vrai que j'ai un peu moins l'envie de tricoter qu'en temps normal, et puis c'est vrai que j'ai quand même moins de temps aussi de disponible pour le tricot dans les derniers temps. Donc bref, voilà, tout simplement une petite introduction pour expliquer pourquoi est-ce que cette vidéo là sera plus un format podcast entre guillemets, dans le sens où je vais filmer en une fois, je vais vous présenter mes objets terminés, mes objets en cours, vous parler peut-être un petit peu de mes projets et de vous parler aussi de l'annonce que j'ai faite sur Instagram il y a quelques jours. Donc bienvenue à tous, merci d'être avec moi. Je filme ce soir, il est 7h30, la luminosité est très basse, la nuit est en train de tomber, donc je suis désolée si la qualité de l'image est peut-être un peu moins bonne que d'habitude, mais j'avais vraiment très envie de venir vous parler aujourd'hui pour pouvoir faire le point avec vous de ce qui s'est passé dans les derniers temps. Je m'excuse aussi d'avant, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, j'ai pas eu un seul temps mort encore, ce qui fait que je suis un peu fatiguée. J'espère que ça se... Souvent quand je suis fatiguée, j'ai plus de mal à parler, j'ai mes mots qui se... Je mâche un peu mes mots, etc. Donc j'espère que ça ira pour tourner cette portion de vidéo. Merci pour les commentaires que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo. C'est rare que je sois si longue, mais là j'ai du retard sur les commentaires. Donc je suis désolée, c'est pas dans mes habitudes. J'ai lu tous les commentaires, mais je n'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde. Même si c'est juste un petit cœur ou un petit merci, j'aime bien quand même que tout le monde ait son petit message. Donc désolée si vous n'avez pas encore eu de réponse, ça va arriver dans les prochains jours. Et on commence tout de suite avec le tricot. Donc la chose la plus importante qui s'est passée dans les derniers temps, c'est la fin de mon chat Sorbetto. Donc le chat de Sorbet. Ah, je suis tellement contente. Alors, rapidement, le châle Sorbetto, petit rappel, c'est donc un design de Nadia Crétin-Léchaine, donc NCLNITS, que j'ai tricoté avec de la fingering. Les deux sont des laines à chaussettes. Ce sont des laines de deux teinturières québécoises. Ici, pour la plus foncée, c'est une laine de la teinturière Bleu Poussière, et la plus claire, c'est une laine de la teinturière, de l'ancienne teinturière Beau Fibre. C'est une laine qui m'a été offerte par Manon, à qui j'envoie de gros bisous et encore des grands merci, parce que j'avais été très gâtée en décembre dernier. Et parmi
Mes cadeaux, il y avait donc cet écheveau de Beaux Fibres que je suis très très contente de pouvoir porter à présent autour de mon cou. Donc le châle sorbetto, les aiguilles, je me souviens plus, ça doit être 3,5, 3,75, quelque chose comme ça. Il est assez facile, ces deux écheveaux. Alors moi j'ai tricoté un peu moins de deux écheveaux, mais je vous expliquerai pourquoi après. Sinon, je pense que je serais allée au bout de ma laine. Franchement, je pense que ouais, les 200 grammes seraient passés en totalité si j'avais vraiment respecté le patron à la lettre. Donc on démarre par la pointe, par cette pointe. On fait des augmentations, on a une maille centrale. Et c'est très simple, ici c'est du point mousse, des rayures, une dentelle assez facile, du point mousse, rayures. Non, rayures, point mousse, rayures, dentelle. Et point mousse. Donc en fait, moi, ma modification, elle est ici, c'est-à-dire que sur la fin du châle, après la dentelle, normalement, j'aurais dû faire une nouvelle section de rayures et une dernière section de point mousse. Et donc moi, j'avais pas envie de faire les rayures parce que clairement, ça me gonflait en fait d'avoir à gérer deux écheveaux, parce que ce châle, j'en pouvais plus, fallait qu'il se termine, et de devoir gérer deux écheveaux, c'était le bout du monde pour moi. Donc j'ai décidé de simplement faire du point mousse avec mon coloris principal. Et normalement, la bande, donc là, ce que vous voyez actuellement comme du point mousse, ça aurait dû être du point mousse, mais en rayures. Et il y aurait dû avoir une autre bande d'à peu près cette largeur de point mousse également. Et c'est cette bande que je n'ai pas faite. En fait, normalement, j'aurais dû reprendre. Alors, c'est un peu difficile parce qu'il y a une grande envergure. Mais normalement, à ce niveau-là, j'aurais dû reprendre les mailles ici au niveau de ma dentelle et faire une bande de point mousse d'une pointe à l'autre du châle. Donc sur tout ça. Non, je dis des bêtises? Je me demande. Non, si, c'est ça. Hein. Oui, si, c'est ça. Et en fait, bah, aucune envie, quoi. Aucune envie, donc je ne l'ai pas fait. Je suis venue ici rabattre. J'ai fait un rabat classique, j'ai pas fait les picots non plus. C'est vrai que normalement il y avait un rabat en picot, je l'ai pas fait tout simplement parce que je n'aime pas les rabats en picot en fait d'un point de vue esthétique pour tous les châles. Donc c'est pas lié à lui spécifiquement. Donc du coup j'ai fait un rabat classique en suivant le point, donc en fait bah, des mailles en droit. Et je suis venue joindre à ce niveau-là en fait pour que ça fasse à peu près droit et avec le blocage, il n'y a pas de problème franchement. Ça rend très bien. Donc, je vous en ai déjà parlé longuement dans les précédentes vidéos, donc je vais essayer de pas trop m'étendre sur le châle. Mais concrètement, c'est un châle qui techniquement ne présente pas de difficultés. Dans le sens où on est sur des points simples, la dentelle est simple. La difficulté, moi j'ai éprouvé de la difficulté parce que je n'ai pas réussi à rentrer dans le patron. Et c'est complètement propre à moi-même en fait. Il n'y a pas un critère objectif qui dit que le patron n'est pas clair. Pas du tout. C'est vraiment moi. Voilà, ça arrive comme ça. Tous les patrons ne sont pas des matchy-matchy avec toutes les tricoteuses. Et ce patron-là, pourtant, j'ai déjà tricoté plusieurs patrons de Nadia. J'adore les patrons de Nadia. Je les trouve très clairs, limpides. Mais celui-là, c'est pas qu'il était pas clair ni limpide, mais c'est juste moi, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Il faut préciser aussi que je tricote peu de châles, j'ai peu d'expérience en châles, et c'est aussi la première fois que je tricotais cette forme de châle, donc ça y joue sûrement. Sûrement que si j'avais eu plus d'expérience, j'aurais certainement eu moins de difficultés aussi à rentrer dans la logique du patron. Donc un châle facile, hein, pas de difficulté particulière. Moi je l'ai répété tout le long où je l'ai fait, j'adorais son rendu, j'adore mes laines, j'adore tout, mais c'est juste le processus de le faire. Je n'ai pas apprécié, mais voilà, pas de raison particulière. Je l'avais déjà mentionné, il y a quelques coquilles mineures dans les explications écrites, au moins de la version anglaise. Mais ce sont des coquilles qui concernent principalement des placements de marqueurs ou des évidences en quelque sorte, des choses qui ont été oubliées mais qu'on peut deviner par nous-mêmes. Donc ce ne sont pas des coquilles qui vraiment peuvent empêcher la réalisation du tricot. Autrement, voilà, rien de plus à dire. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire, mais
J'en ai tellement parlé dans les dernières semaines que je ne vois pas trop quoi dire de plus et je voudrais pas non plus trop me répéter pour pas que ce soit trop lassant pour celles qui sont assidues à mes vidéos. Donc j'adore le rendu, il est très léger, je l'ai porté depuis qu'il est fait, c'est pas compliqué, je le porte tous les jours. Il a pris le relais un peu de mon géogradient qui est beaucoup plus chaud. Il est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de laine dedans en fait, tout simplement. Et je regardais, alors j'ai écouté la semaine dernière Christelle de Rêver sa vie en couleur. Christelle, je crois que tu passes une fois de temps en temps. Je ne sais pas si tu écouteras cette vidéo. Si c'est le cas, je t'embrasse aussi. Alors Christelle, c'est une podcasteuse tricot, une youtubeuse tricot que j'avais déjà découvert il y a longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, il y a longtemps, longtemps. Il y a quand même un petit moment, plusieurs mois. Et j'ai, dans l'avalanche de toutes les vidéos que j'écoute, sans raison particulière, c'était pas une chaîne que j'écoutais de manière assidue. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas allée voir ses vidéos et ça fait aussi un petit moment, plusieurs mois, que je veux absolument me remettre, la faire revenir dans mon quotidien de vidéos parce que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. On a plusieurs tricopines en commun. Et voilà, j'avais envie de la suivre de manière un peu plus assidue sur sa chaîne YouTube parce que je la suis déjà sur Instagram, on s'écrit une fois de temps en temps. Mais c'est ça, j'avais envie vraiment de m'intéresser un peu plus à ce qu'elle faisait. Bref, j'ai écouté l'une de ses vidéos, donc je crois pas que ce soit la dernière, mais une assez récente. Et elle faisait elle avait terminé, je crois, le châle Iris de Odile Nitz, si je ne me trompe pas, et elle a fait une remarque que je n'avais jamais conscientisée. Elle expliquait que donc le châle Iris, bon, qu'elle était contente, qu'elle le trouvait beau, etc. Mais elle émettait un petit bémol sur le fait que la dentelle, donc le châle Iris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un châle triangulaire asymétrique qui se fait avec un écheveau de 100 grammes, donc tout en, je pense qu'il est en point mousse si je ne dis pas de bêtises, et il y a deux pans de dentelle qui se font avec un contrastant de 20 grammes. Et elle disait que elle trouvait ça un petit peu dommage parce que quand on place le châle autour de son cou, la dentelle ne se voit pas ou se voit peu. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment fait cette remarque et maintenant je vais y faire attention à chaque fois que je vais tricoter des châles parce que c'est vrai que des fois on s'embête à faire des motifs, à choisir des coloris, etc. Mais dépendamment de comment ça vient se placer autour du cou, ça devient complètement invisible une fois porté. Donc c'est un petit peu dommage. Ça n'enlève pas le plaisir d'avoir tricoté des belles choses avec des belles couleurs, mais bon, l'idée c'est quand même aussi d'en faire profiter les autres, entre guillemets. Et c'est ce que j'aime dans ce châle, donc dans le sorbetto, c'est que je trouve que vraiment, peu importe la manière qu'on a de le mettre autour de notre cou, eh bien, on voit tout, on voit bien les deux couleurs, on voit bien la dentelle, on voit les jeux de rayures, et c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce que je trouve que vraiment, voilà, il a valu la peine d'être tricoté, je trouve que, voilà, on a vraiment une belle pièce jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit autour de notre cou, donc c'est à souligner. Voilà. Voilà, je pense que ça fait le tour. Ma fiche Ravelry doit être à jour, je pense. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez aller regarder là-bas. Vous pouvez écouter mes précédentes vidéos. Puis, comme je l'ai dit, s'il y a des choses qui vous intéressent que je n'ai pas pensé à dire, envoyez-moi un message en commentaire ou sur Instagram, puis je vous répondrai avec plaisir. Donc, le châle sorbetto est terminé. Donc là, bien sûr, qui dit un projet terminé, dit un projet castonné. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors,
Dans les faits, j'ai déjà pas mal de choses sur mes aiguilles, puisque je vais vous en reparler après, mais vous savez que j'ai le pulse vague et j'ai un nombre de paires de chaussettes indéterminées qui attendent d'avoir leur deuxième. Enfin, une chaussette qui attend d'avoir sa deuxième pour compléter la paire. Sauf que le pulse vague, bah, je vais peut-être vous le montrer maintenant puisque j'en parle. Le pulse vague, donc c'est le pull, c'est un design de Kathleen Hunter que je tricote avec des laines de Hedgehog Fibers et de... Ça c'est Hedgehog Fibers et ça... J'ai un trou de mémoire. Bah, c'est peut-être Hedgehog Fibers aussi. Ah non, 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 pardon, j'ai des bêtises. Ça c'est Hedgehog Fibers et ça c'est Life in the Long Grass. Et le problème, c'est que le pulse vague, je l'ai monté au début du mois de mars. Et le problème, c'est que je l'ai laissé se faire dodo quelques temps, le temps de terminer le châle notamment. Et sauf que maintenant, bah, je suis plus du tout dans ce délire-là. J'ai plus du tout envie de... Je le trouve très beau, j'ai hâte de l'avoir, j'aime toujours autant le modèle, j'aime toujours autant mes laines. Mais là, j'ai plus envie de choses plus printanières... Et donc le zweig, j'ai plus trop envie de le tricoter pour le moment. Donc j'ai quand même fait quelques rangs dessus depuis la dernière fois, mais peu. Et j'ai décidé de le laisser un peu tranquille. Donc pour le moment, il est quand même à proximité. Je ne le fais pas officiellement hiberner. C'est-à-dire que je m'attends quand même à retricoter dessus une fois de temps en temps. Mais je pense que voilà, je ne vais pas me forcer si je ne le tricote pas puis que je le reprends seulement plus tard dans l'année. C'est pas du tout stressant. Puisque dans tous les cas, même si là je me mets à le tricoter de manière assidue, le temps que je le termine, ce sera de toute façon plus la saison de porter des pulls en laine. Donc bon, voilà, que je le finisse maintenant ou dans 6 mois, ça ne change pas grand-chose. Donc j'avais vraiment envie de me castonner autre chose, d'autant que comme j'ai un peu moins de mojo tricot comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais envie de quelque chose qui allait vraiment me faire plaisir, qui allait me motiver à tricoter. Toutefois je voulais quand même avoir une pièce assez rapide à tricoter parce que j'ai envie de terminer déjà les choses que j'ai sur mes aiguilles et je veux laisser la porte ouverte à des plus grosses pièces qui pourraient me tenter dans les jours, semaines à venir. Pardon. Ah, c'est dur. Alors, j'ai un écheveau qui m'a été offert par ma copine Amandine, qui tient un podcast aussi d'ailleurs, Amandine Grondin, vous pouvez la retrouver sur YouTube, elle a deux ou trois épisodes à son actif, je sais plus, j'ai un doute. Et j'avais reçu cet écheveau-là dans le cadre du calendrier de l'Avent d'échange que j'avais fait avec un groupe de copines tricoteuses. Et ça, c'était l'écheveau du 25 décembre. Donc c'est un écheveau de Entre Sœurs Hélène, c'est la base à chaussettes Anna, je sais plus. Et le coloris, c'était... Je ne sais plus non plus. Je l'ai plus en tête. Bon, peu importe. Et donc, est-ce que vous allez reconnaître? Est-ce que les vrais vont reconnaître? J'ai lancé un ranunculus. Donc, j'ai seulement 100 grammes et en plus, ça fait moins de 400 mètres. Je crois que j'ai 380 mètres, quelque chose comme ça. Donc, ça va définitivement être un ranunculus manche courte, crop. C'est pas grave, c'est parfait, c'est ce que... Ça me va très bien. Dans tous les cas, je voulais surtout, en fait, pouvoir mettre à profit cette laine. J'avais vraiment envie de faire un bel objet avec. Je voulais pas la mettre dans des chaussettes, je m'étais dit peut-être un châle. Et là, ranunculus, bah, c'était parfait parce que c'est quelque chose qui se tricote rapidement, ça se fait en grosses aiguilles. Là, je suis en... Ah, j'ai peut-être oublié de changer d'aiguille, d'ailleurs. Ah non, c'est bon, je suis en 6 mm. Et ça va se faire vite, mais c'est juste que bah, pour le moment, je tricote pas dessus. D'ailleurs, ici, j'ai ce petit marqueur. Je me demande si c'était pas Amandine aussi qui me l'avait offert. C'est drôle, sans le vouloir, enfin sans faire attention, j'ai choisi... Ah, je crois que ça fait pas la mise au point. Peut-être faut que je me rapproche un peu. Bon, en tout cas, j'ai choisi un marqueur d'Amandine pour aller avec le tricot d'Amandine. Amandine, pareil, je pense que tu passes par là. Je vais t'envoyer des baisers. Donc on est sur le ranunculus de
Midori Heroes. J'ai une vidéo consacrée au Ranunculus que j'ai faite il y a un petit moment maintenant. Et je parle des différents Ranunculus que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois que j'en ai 3 à mon actif, si je ne dis pas de bêtises. Ça, ce serait le 4e. Je voulais en faire un d'hiver parce que pour le moment, j'en ai que de mi-saison en mohair ou des en d'été à manches courtes en coton, et je voulais m'en faire un cet hiver en version hiver avec des manches longues tricotées un peu plus serrées. Sauf qu'au final, bon, le planning a fait en sorte que ça n'a pas marché pour cet hiver, mais je prévois toujours en faire un pour l'automne hiver prochain. Et bah donc là, je me refais une 4e version estivale du coup. Mais ce que je me disais, c'est que comme c'est quand même un coloris qui peut être assez automnal, hivernal, je me disais peut-être avec un... Ah quoi que non, en fait là, je me rends compte que ça va pas marcher ce que je pensais faire. Parce que je me disais peut-être avec un t-shirt à manches longues classique noir par exemple, avec ça par-dessus, ça pourrait aller, mais en fait je pense pas, parce que comme c'est une encolure large, ça risque de faire bizarre d'avoir un t-shirt avec un col plus resserré en dessous. Bon, je sais pas, faudrait que j'essaie, mais bon bref, c'est pas grave. Là, l'idée c'était juste de me faire plaisir. J'ai très peu tricoté dessus pour les raisons que je vous ai expliquées un peu plus tôt dans la vidéo, mais voilà, ça monte vite, c'est un pur plaisir à faire. C'est la première fois que je tricote le patron dans sa version française, puisque quand je l'avais fait les autres fois, la version française n'existait pas encore. Et je dois dire que c'est très clair. Entre-temps, depuis ma première version que j'ai faite maintenant il y a 2 ans, je pense, plus de 2 ans, il y a des vidéos qui se sont ajoutées, des liens vidéo. Je suis presque sûre que ça n'y était pas avant. Et c'est très aidant en fait. À chaque fois qu'il y a un point un peu technique, et bien on a des vidéos qui sont référées en fait pour nous montrer le point. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Donc c'est toujours gagnant à Ranunculus, ça monte vite, ça marche avec n'importe quelle fibre. Vous pouvez le faire plus ajusté, plus loose, avec des manches courtes, des manches longues, cropped, avec un long corps, avec une encolure resserrée, une encolure large. Vous avez vraiment plein d'options. Alors souvent on me demande par rapport à l'encolure large. Vous êtes, enfin régulièrement on me dit que vous n'arrivez pas à avoir le bon rendu, et je me souviens que c'était ce qui était arrivé aussi à Manu, de Miss Manu Naturelle, toi aussi je te fais des bisous. C'est que quand on suit le patron pour avoir l'encolure large, le secret indispensable, c'est de suivre le montage préconisé par le patron. Si vous ne faites pas le montage préconisé par le patron, vous n'aurez pas d'encolure large, parce que c'est vraiment le montage qui fait que les mailles s'ouvrent et qui fait qu'on va avoir vraiment une encolure dégagée. Voilà. Je l'ai un petit peu adapté à ma sauce, dans le sens où je le suis sans le suivre. J'ai fait les côtes du début plus courtes, j'ai pas fait tous les rangs raccourcis, je suis allée directement avec la dentelle, et ça se peut que je continue au fur et à mesure un petit peu d'adapter. En fait, l'idée c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je fais ça comme ça vient. Et la taille, je me souviens plus quelle taille je fais, je crois que je fais la taille 2 du patron. Désolée pour les bruits de fond, il y a les enfants des voisins qui s'excitent un peu, ça doit être l'heure du coucher qui approche. On dit bon courage aux parents, on est solidaires dans cette épreuve, la preuve, puisque nous partageons la joie d'entendre les cris des enfants avec eux. Bref. C'est ça la vie en appartement, qu'est-ce que vous voulez. Ok, pour le Ranunculus, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, en parallèle de ça, j'ai quand même avancé mes autres en cours. Et donc, notamment, mes chaussettes Lapinou. Donc, chaussettes Lapinou, patron de Lisandre Bourdin, qui est disponible là encore dans diverses versions. Là aussi je l'ai adapté, puisque je n'ai pas fait le même montage, je n'ai pas fait les mêmes côtes et je n'ai pas fait suivre le jacquard sur le pied, j'ai pas fait le même talon et j'ai probablement pas fait la même pointe, puisque je n'ai pas regardé ce que le patron préconisait. Donc au final, du patron de Lisandre, je n'ai retenu que la grille de jacquard ici. D'ailleurs, je n'ai pas non plus monté le même nombre de mailles. Enfin bon, bref, j'ai tout fait à ma sauce en fait, mais j'ai pris les grilles de jacquard. Donc, les grilles de jacquard, donc il y a le lapin, il y a un œuf de Pâques
Et il y a deux motifs différents de quadrillage comme ça également. Le motif est assez simple à suivre. Il n'y a jamais plus de deux couleurs sur un rang. Par contre, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je ne vais pas me réétaler dessus. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même difficile à réaliser pour la gestion de la tension des fils dans le jacquard. Voilà. Mais sinon, il est très clair, puis le rendu est très beau. Alors moi, je suis pas trop fan de ma version. Mais là encore, ça n'a rien à voir avec le patron, c'est vraiment moi, parce que les chaussettes qui sont tricotées avec le patron, je les trouve toutes belles, peu importe les versions. Moi, je suis pas trop fan, je sais pas si c'est mon choix de couleur, si c'est le fait que la chaussette n'est pas encore bloquée. En fait, pour tout vous dire, quand j'ai terminé la première, j'ai même hésité à carrément la détricoter et mettre ce projet de côté. Bon, finalement, je vais la finir parce que bon, c'est un peu dommage. Tout le monde me dit qu'elle est belle, donc bon, bah, j'ai envie d'écouter ce qu'on me dit. C'est sûr qu'elle n'est pas bloquée encore et le jacquard, ça se révèle au blocage, ça c'est certain. Et puis bon, elle n'est pas loupée, hein, c'est juste moi qui... Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais même pas l'offrir parce que... La seule personne qui fait ma pointure, c'est ma belle-sœur, et je pense que si je lui offre une paire de chaussettes avec des lapins roses, à mon avis, je vais me faire regarder de travers. Non, elle sera contente, mais c'est juste que c'est pas son style du tout, quoi. Les petits lapins roses fluo comme ça, je pense pas que ce soit son délire. Quoique, je pourrais quand même lui proposer, sait-on jamais. Mais voilà, sinon toutes les personnes de mon entourage ont des pieds plus grands que moi, donc et plus grands et plus larges. Donc c'est même pas juste le pied que j'aurais à... D'ailleurs, même ma belle-sœur, elle a des pieds, au final, les chaussettes, même si on fait la même pointure, les chaussettes, il faut que je fasse un peu plus grande que pour moi. Donc au final, même elle, je pense que ça lui irait pas de toute façon. Bon, bref, c'est pas grave. En tous les cas, je vais les porter, hein, mais bon. Donc mes modifications. Donc j'ai fait la première taille, j'ai fait un montage long tail cast on ou German twisted cast on, je sais plus. J'ai fait des côtes brisées de 1. J'ai commencé directement avec le bon nombre de mailles, alors que Lissandre normalement nous propose de commencer par un certain nombre de mailles pour les côtes et après d'augmenter pour avoir la bonne taille pour le jacquard, en tout cas dans moi, dans la taille que je suis. Le patron, j'ai fait mon patron de rang raccourci à l'allemande classique que vous pouvez retrouver gratuitement sur Ravelry dans mes chaussettes Sacristain et dans mon modèle de chaussettes à la vanille que vous pouvez avoir ou gratuitement avec un code promo ou que vous pouvez payer à hauteur de 2$, donc ça fait quelque chose comme 1,40€ je pense, quelque chose comme ça, si vous voulez me soutenir en fait financièrement dans mes activités liées au tricot. Et une fois passé le talon, j'ai rediminué en fait, parce que là je suis la taille 60 mailles, mais moi actuellement je suis du 56 mailles. Donc une fois le talon passé, pardon, j'ai diminué pour faire un pied à 56 mailles pour que ça m'aille bien, ce qui n'était pas préconisé dans le patron. Donc j'ai simplement réparti deux diminutions de chaque côté en fait, à juste le rang qui suivait le talon. Voilà, et j'ai commencé la deuxième. Alors c'est un tout petit début, ça fait plusieurs jours, je fais un rang par-ci, un rang par-là. Mais voilà, maintenant que Pâques est passé, j'ai pas vraiment d'objectif. Elle sera terminée quand elle sera terminée. Donc ça c'est ma chaussette active actuellement. Les laines, je sais plus si j'ai dit, la laine principale c'est la création telle mère, telle fille. Et les autres, je ne sais plus, donc je peux pas vous dire. Donc, première paire de chaussettes. Deuxième paire de chaussettes sur laquelle j'ai travaillé, c'est mon design, les chaussettes Margot. M-A-R-G-O-T. Donc ça, c'est vraiment un design que j'ai fait là, il y a quelques semaines, en début d'année. Et franchement, je l'adore. J'adore particulièrement cette version-là. Donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry également. Et la particularité, c'est la longue bande de côte ici. Donc c'est un motif de côte fantaisie qui se fait avec le coloris contrastant. Et on a les bandes ici qui sont faites avec le coloris principal. On a un petit motif sur le pied, un petit jacquard facultatif.
à ce niveau-là et ici d'ailleurs que je n'ai pas fait au niveau de la pointe. Et voilà, c'est une petite paire de chaussettes simple mais efficace je trouve, avec un patron qui à la fois est stimulant mais qui n'est pas du tout compliqué ou prise de tête à suivre. Et surtout moi je voulais une tige assez haute, donc je suis contente, c'est ce que je vais avoir. Cette chaussette, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était il y a vraiment très longtemps et j'en étais à peu près ici en fait. J'avais juste commencé le pied et là j'ai terminé le pied et la pointe dans la semaine précédente en fait, parce que je suis partie en week-end pour le week-end de Pâques. Et j'étais arrivée au moment de la pointe de mes chaussettes Lapinou. Et comme j'avais mes tendinites, etc., je ne voulais emmener qu'un seul projet tricot et un projet tricot simple. Et donc comme celui-ci, j'étais au niveau du pied, j'avais emmené cette chaussette-là pour pouvoir juste faire du jersey en rond sur mon pied. Et donc quitte à la reprendre, j'ai terminé la première. Donc il restera encore la deuxième à faire. Donc voilà pour mes projets en cours. Je pense que ça fait le tour. Normalement, c'est sûr à 90%. Ce week-end, je vais au festival Vitalaine en folie à Québec. Je prévois acheter de la laine, bien sûr, et me concentrer notamment sur des laines estivales, donc des fibres estivales, pour pouvoir me faire des tops, des débardeurs. L'année dernière, j'en avais fait assez peu. Cette année, en tout cas, j'en ai envie pour le moment. On verra si ça me passe ou pas. Actuellement dans mon stage, donc vous savez si vous me suivez que j'ai pas un très gros stage, j'ai quand même quelques échoues en stock, mais voilà, je suis pas une grande collectionneuse de laine. Et justement j'aimerais diversifier un petit peu, avoir plus de quantité pull, châle, débardeur, et notamment diversifier les coloris que j'ai. Voilà, toutefois je veux pas non plus, je veux garder un stock raisonnable parce que ça fait partie de ma manière de consommer en règle générale, et que voilà, je ne tiens pas à avoir un stash énorme dans lequel je me sentirais probablement noyée assez rapidement. Mais je trouve quand même agréable d'avoir déjà des quantités à la maison et de pouvoir aller fouiller un petit peu dans ce que j'ai, choisir des projets qui correspondent à des laines. J'aime bien profiter des festivals parce que ça me permet d'acheter des laines de boutiques que je n'ai pas forcément à disposition près de chez moi, et j'achète très peu, voire pas du tout, mes laines en ligne sur internet. Je préfère voir les coloris en vrai et les matières parce que c'est tellement changeant en fait sur les écrans. Donc j'aime bien profiter des festivals pour ça et donc me constituer un petit stock. En fait là mon stock actuel, 80% c'est des laines que j'ai acheté en festival. Et comme j'ai quand même un achat raisonnable parce que j'achète beaucoup de laine de teinturière, et donc c'est un certain budget, et donc ça me force à être raisonnable, parce que même en se restreignant et en achetant que 2-3 quantités pulls, on est déjà tout de suite rendu à pas loin de 300$. Donc voilà, j'ai pas un budget illimité. Et en général, je tricote dans l'année plus ou moins l'équivalent de ce que j'achète. Plus ou moins, donc ça me convient comme ça. Bref, tout ça pour dire que je vais faire donc des achats, je l'espère en tout cas, que je vais trouver des choses qui me plaisent au festival Vitalaine en folie ce week-end. Et je suppose, en tout cas j'attends un petit peu après ça pour que ça me redonne un petit peu le goût de tricoter et de monter de nouveaux projets. Parce que pourtant les envies, c'est pas ce qui nous manque en général en tant que tricoteuse, mais là même quand je regarde dans ma liste d'envies de patron, il n'y a rien que j'ai envie de monter là tout de suite maintenant. Donc j'espère que ça va un petit peu raviver la flamme en moi quoi. Voilà, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo probablement. Que je vous ai fait un petit point sur ce qui allait potentiellement arriver prochainement. Il est temps pour moi de vous parler un petit peu plus en détail du projet que j'ai un petit peu abordé sur YouTube, pas tant que ça dans les dernières vidéos, et que j'ai lancé sur Instagram cette semaine. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi je parle, sinon, eh bien je vous annonce que j'ai ouvert dimanche ma boutique en ligne Etsy d'accessoires tricot.
Alors, vous pouvez me retrouver sur Etsy avec le nom Mathilde Tricote Shop. Alors, pour la petite histoire, je voulais garder mon nom Mathilde Tricote. Sauf que, figurez-vous que c'était déjà pris sur Etsy. Alors, j'ai pas trop compris parce que j'ai cherché en long, large, en travers. Je n'ai jamais trouvé la boutique qui s'appelle Mathilde Tricote. Et en plus de ça, Mathilde Tricote, c'est un nom réservé au Québec, puisque j'ai une entreprise. J'ai une entreprise avec un nom réservé pour Mathilde Tricote. Bon, cela dit, ça n'enlève rien parce que la personne a très bien pu s'appeler Mathilde Tricote avant moi, par exemple, et ne pas l'avoir déclaré, ou ça peut être quelqu'un qui vient d'un autre pays aussi. Mais bref, je n'ai pas trouvé trace de cette Mathilde Tricote. Bon, c'est pas grave, mais comme il ne peut pas y avoir plusieurs Mathilde Tricote, et qu'en plus de ça, le nom de la boutique a un nombre de lettres restreint, et eh bien ça a terminé au Mathilde Tricote Shop. Donc vous pouvez me retrouver sur Etsy. Donc je vends à l'international. Si vous êtes en Europe, les frais de port sont de à peu près 8,80€, ça varie selon les taux de conversion. Et vous n'avez pas de frais de douane tant que vous n'achetez pas plus de 150€ de marchandises pour ce type de produit-là. Donc 8,80€ de frais de port et un délai de livraison qui tourne d'une à deux semaines à peu près. Voilà. Et puis pour le Canada, c'est des frais de livraison de 2,25$ et frais de livraison gratuit à partir de l'achat de deux articles, si je ne dis pas de bêtises. Pardon. Ces frais, donc ça c'est les frais actuels, pourraient être amenés à être modifiés au fil du temps selon les tarifs proposés par les transporteurs. Mais voilà, c'est les montants actuels. Donc actuellement, ce que je propose sur ma boutique, ce sont des marqueurs tricot, des marqueurs de progrès, des anneaux marqueurs, des contrants, des arrêts de mailles, là, les bouchons qu'on met sur les aiguilles. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit échantillon de ce que je propose sur ma boutique. Ça va être un petit échantillon parce que il y a déjà pas mal de choses qui sont parties chez vous dans les derniers jours et il faut que je me reconstitue un petit stock. Mais parmi ce que je propose, vous trouverez donc, comme je l'ai dit, des anneaux marqueurs. Donc là par exemple, on a un set de 4 anneaux marqueurs avec des étoiles et un marqueur de progrès avec un petit chat. Dans la même veine, on a le même set mais avec un chat différent. Oups là, ça a du mal à faire la mise en place. Ok, voilà. On a des petits hérissons marqueurs de progrès. Attendez, il faut que je me cache un peu les yeux, je pense. Ok, comme ça. On a des petites abeilles. Coucou ma Sophie, si tu passes par là. Sophie, au fil de la ruche. Je sais que vous la connaissez parce que j'ai fredonné son air dans l'une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps et vous êtes très très nombreuses à avoir reconnu l'air de son podcast. On a des petits animaux fleuris comme ça en progress keeper et je vais aussi en faire des contrants qui devraient être disponibles. Alors je devais les faire ce soir mais là vu l'heure c'est pas possible. Mais je pense que probablement demain mercredi dans la journée maximum jeudi vous devriez les retrouver en contrant sur la boutique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah justement des petits contrants fleuris comme ça. Hop, avec le petit progress keeper papillon. Un petit thème marin avec des petits poissons. Voilà, donc bref, bon, le mieux c'est d'aller voir sur ma boutique ce que je propose. Vous allez avoir les différents produits, les prix, etc. La boutique, je vais vous mettre le lien
en description de cette vidéo. Sinon, vous cherchez Mathilde Tricot Shop sur Etsy. Étant donné que la boutique est récente, ça se peut que vous ayez du mal à me trouver. Si vous faites par exemple juste une recherche Google, parce qu'il faut le temps que la boutique soit référencée. Mais si vous suivez le lien que je vais vous avoir mis en barre de description, bah, vous êtes sûr d'arriver à la bonne place. Voilà. Donc, premièrement, bah, merci déjà à toutes les personnes qui m'ont soutenue ou en passant commande ou en relayant ma publication qui annonçait donc l'ouverture de la boutique. Pour ceux qui ont passé commande, bah, un merci tout particulier, merci pour votre confiance. J'espère que si vous avez déjà reçu les produits, j'espère que ça vous plaît. Et s'ils sont en chemin, j'espère que ça vous plaira, que vous serez satisfait. Donc là, pour me soutenir dans cette démarche, la meilleure chose, c'est d'être active sur les réseaux sociaux avec moi. Donc si vous êtes sur Instagram, ben, vous le savez, c'est aimer les publications, commenter, partager, etc. C'est le moyen d'augmenter la visibilité en fait des publications. Et si vous êtes habitué à Etsy, vous pouvez aussi mettre ma boutique dans vos favoris. Je pense que ça s'appelle des abonnements sur Etsy. Mettre des produits en favoris, voilà, ça c'est des manières monétaires de me soutenir si ça vous fait plaisir de le faire. Donc merci à vous si vous le faites. Et voilà, donc ça c'est une petite aventure qui commence, une aventure que j'ai en tête depuis longtemps. Ça fait longtemps que je mûris ça, que je me renseigne, que j'ai pris contact aussi avec des personnes qui ont fait des choses similaires, avoir un peu leur retour d'expérience. Et j'ai décidé de me lancer maintenant il y a quelques semaines, quelques mois. Et bon, après voilà, fallait le temps que tout se mette en place, etc. Donc me voilà face à vous avec ce petit projet-là. Donc actuellement, donc là, comme je l'ai dit, voilà, ça se concentre autour de ce que je viens de vous expliquer, donc les anneaux marqueurs, les marqueurs de progrès, les contrants et les bouchons d'aiguille. Je ne les ai pas montrés, alors eux je les ai plus à la vente actuellement parce qu'ils sont ils ont tous été vendus, mais là par exemple j'avais des petites boules fleuries comme ça. Et je m'en suis gardée une paire pour moi. Pour le moment je me suis quasiment rien gardée de la boutique à part ça, parce que vous avez tout acheté et du coup je préfère vous les offrir à vous plutôt que de les garder pour moi, mais in fine je vais me faire un petit stock aussi à moi, puis comme ça ça me permettra aussi de vous les montrer en vidéo, de vous montrer un petit peu comment on peut s'en servir, etc. Donc mon idée c'est de proposer des produits qui me ressemblent, qui ressemblent à ce que j'aime. Donc principalement on va être sur des choses assez printanière, comme ce que vous avez vu, des petits animaux, des petites fleurs. Ça se peut qu'il y ait aussi un petit côté un peu plus mystique. C'est une part de moi que vous ne connaissez pas, je pense, sur cette chaîne, mais ça fait partie aussi de mes intérêts, on va dire, et de ce que j'aime et de ce que je ne retrouve pas forcément sur le marché actuellement. Donc c'est aussi ça mon idée, c'est de proposer en fait je me mets, c'est la même chose quand je fais les vidéos YouTube, c'est la même chose quand je fais mes patrons, et c'est la même chose là pour ce projet là c'est que je m'imagine comme étant mon client principal de la boutique, comme je m'imagine être mon spectateur principal de mes vidéos, comme je m'imagine être mon tricoteur principal de mes patrons, dans le sens où je fais des choses que moi j'aime en tant que créatrice, que ce soit de vidéos, de patrons ou d'accessoires, et qui répondent à mes attentes en tant que client, entre guillemets, peu importe que ce soit, encore une fois, de vidéos, de patrons, d'accessoires. Et c'est quelque chose qui c'est ma ligne conductrice inconsciente, en fait, depuis que je me suis lancée, voilà, à plus dans l'univers, ça a commencé par YouTube, et c'est un peu ma ligne directrice, voilà, de faire des choses qui me plaisent et de me dire, ok, moi, en tant que spectatrice, en tant que tricoteuse, en tant qu'acheteuse, qu'est-ce que j'aimerais retrouver, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce qui est important pour moi, et voilà, donc c'est pas du tout dans une démarche égocentrique, hein, bien sûr que je fais ça. C'est dans l'idée de me dire, ben, si moi j'ai ce besoin-là, cette envie-là,
il y a forcément d'autres personnes qui l'ont aussi. Donc en fait, je cherche à rejoindre des personnes qui ont des sensibilités similaires à la mienne, qui ont des intérêts similaires aux miens. Et c'est comme ça que je pense. Alors c'est assez difficile de s'y tenir, et ça je l'expérimente depuis 2 ans, depuis que je suis sur YouTube, parce que on peut vite être influencé par la performance entre guillemets, de se dire ok, qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui plaît plus, et parfois de dévier un petit peu de notre propre chemin pour pouvoir offrir un contenu qui soit plus proche des tendances entre guillemets, mais qui peut-être nous ressemble un peu moins. Et c'est quelque chose, c'est un peu difficile de naviguer là-dedans, parce que souvent c'est un petit peu inconscient aussi, et c'est déjà quelque chose que sur lequel j'ai été confrontée là avec les accessoires de la boutique, malgré la très courte vie de la boutique. Donc j'espère que je vais réussir à maintenir mon cap, de faire des choses qui me plaisent et de réfléchir comme ça pour la suite des produits que j'aurai à vous offrir, et de ne pas trop me laisser influencer par ce qui me ressemble moins. Profondément, on va dire. Je sais pas si je suis très claire, la fin de journée est là et ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Donc les produits, en tout cas, oui, les produits que j'offre sur la boutique sont amenés à se diversifier. Donc déjà, dès maintenant, j'alimente la boutique quasiment tous les jours, et ça va continuer comme ça pendant probablement plusieurs semaines. Alors ce sera pas forcément tous les jours, mais en tout cas je m'attends à ce que plusieurs fois par semaine il y ait de nouveaux produits qui arrivent sur la boutique. Donc n'hésitez pas à les regarder régulièrement s'il y a des choses qui vous plaisent. S'il y a des choses qui vous plaisent, je vous conseille de ne pas trop attendre pour commander, parce que pour le moment je fais des stocks assez restreints, puisque je suis dans le démarrage. Donc j'essaye aussi un petit peu de voir ce qui vous plaît plus, ce qui vous plaît moins, et d'adapter mon offre en fonction de ça. Donc pour le moment je fais des quantités assez limitées, le temps voilà de trouver un petit peu un équilibre, et puis voilà, quand j'aurai une idée un peu plus précise de ce qui fonctionne plus ou moins, et bien je prévoirai des quantités plus importantes. Mais voilà, pour le moment il y a plusieurs articles qui sont disponibles qu'en 1, 2, 3 exemplaires, donc n'hésitez pas à ne pas trop patienter s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment, parce que ça se peut que ce soit plus disponible, et ça se peut aussi que ce soit pas reproduit par le futur. Donc ça c'est la première chose. Il y a de nouvelles choses aussi qui vont arriver assez rapidement dans les prochains jours, prochaines semaines, des nouveaux types de produits. Donc pour le moment on va rester dans l'accessoire pour la tricoteuse, dans ce style-là, à nos marqueurs, etc. Et éventuellement, selon comment ça fonctionne, selon le temps que je vais avoir, que je vais pouvoir y consacrer, etc. L'idée, c'est que la boutique se diversifie de plus en plus, et que j'étende de plus en plus finalement la gamme en fait de produits qui va être proposée. Je reste assez discrète pour le moment parce que je ne veux pas me mettre de pression. C'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé avant le lancement de la boutique, de ce projet là tout simplement parce que tant que c'est juste entre moi et moi-même, tout va bien. Je peux mettre les délais que je veux, je peux abandonner à la dernière minute si finalement ça me tente pas, je le sens pas, j'ai peur ou je ne sais pas. Et voilà, tout simplement en fait. Donc c'est pour cette pudeur là en fait que je n'en parle pas plus que ça pour le moment. Et puis j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie. En général, j'attends que les choses soient faites pour l'annoncer, que ce soit à vous ou même dans ma vie privée. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Donc voilà, mais vous allez être par contre tenu au courant en temps et en heure, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez un code promo aussi, c'est important quand même de vous le dire. Jusqu'à dimanche de cette semaine, vous avez un code promo que je vais vous inscrire ici parce que j'ai peur de me tromper, qui vous offre une réduction donc sur le montant total de vos achats. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que les produits vous plaisent, j'espère que cet univers vous plaît. Alors je prévois pas en parler plus que ça dans les vidéos YouTube, parce que je veux que ma chaîne YouTube reste concentrée sur mes avancées tricot, et pas que ce soit une plateforme
comment dire, une vitrine commerciale pour ma boutique. Par contre, bah, c'est certain que je viendrai quand même vous en parler une fois de temps en temps, vous montrer des nouveautés, peut-être si j'utilise des produits, de vous les montrer un petit peu. Mais voilà, c'est pas dans ce type de comment je pourrais dire, de ligne directrice que vers laquelle je vais. Sur mon Instagram, je vous ai demandé votre avis. Et il y a une très 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 grosse majorité d'entre vous, hein, 95%, et vous avez été très nombreux à voter. Vous avez été donc la majorité à me dire que pour le moment, vous ne souhaitiez pas que le contenu lié à la boutique soit fait sur une page séparée de ma page Instagram classique. Donc pour le moment, je conserve une seule page Instagram, donc Mathilde Tricote, aussi bien pour mes avancées tricot que sur des partages un peu plus de ma vie quotidienne que sur les partages liés à la boutique. Et après, on verra au fil de l'eau si le besoin se fait sentir d'avoir vraiment une page dédiée à la boutique. On verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, c'est tout, ça explique aussi que j'ai eu moins de temps de tricot ces derniers temps parce que c'est quand même beaucoup de gestion, c'est beaucoup de. Il y a beaucoup de choses à gérer en coulisses. C'est quand même beaucoup de temps que j'ai eu à consacrer à ça et que je vais continuer à consacrer. Et souvent c'est sur du temps que j'aurais consacré au tricot en fait. En temps normal. Donc voilà, ça explique aussi le fait que j'ai été un petit peu moins productive aussi bien en tricot qu'en vidéo ces derniers temps. Par contre, voilà, j'ai confiance dans le fait que je vais trouver assez rapidement un rythme. C'est vrai que là, pour le moment, comme c'est le début, j'y passe quand même du temps tous les jours, mais je pense qu'assez rapidement, je vais être capable de m'organiser pour consacrer la plus grande partie du temps de travail sur le week-end et pouvoir me concentrer en semaine seulement sur la préparation des commandes et des envois, ce qui va me libérer du temps aussi. Mais bon voilà, il faut le temps que les choses se fassent, que les choses s'installent. Donc bah voilà, on se laisse le temps tout simplement. Si vous avez des questions sur ça ou sur d'autres choses, toujours pareil, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous laisse ici, surtout que le temps passe. Je sais pas si je vais pouvoir vous. Je suis pas sûre de faire le montage ce soir. Ça se peut que vous ayez quand même la vidéo mercredi, mais peut-être plus mercredi en fin de journée. Plus, alors que je pensais le faire plutôt pour le matin. Bon, vous verrez dans tous les cas, vous le savez. Maintenant que la vidéo est avec vous, vous savez quand est-ce que je l'ai publiée. Et voilà, on va s'arrêter ici. Je vous dis encore merci pour tout. Merci pour votre soutien, pour votre enthousiasme. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, à m'envoyer des messages, que ce soit ici ou sur Instagram. Ça me fait toujours vraiment très chaud au cœur. Et je vous dis à dans plus ou moins une semaine ou deux, on verra. Là, la vidéo sort mercredi parce que j'avais envie, mais j'ai toujours pas déterminé de jour précis sur les sorties de vidéos à venir. Donc, je pense que ça tournera entre lundi, mercredi, vendredi, on verra. Mais dans tous les cas, bah, comme je vous l'ai déjà dit, le meilleur moyen de ne pas me louper, c'est me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que j'annonce quand les vidéos sortent. Donc, si vous avez Instagram, Mathilde Tricote. Et sinon, sur YouTube, bah, c'est de vous abonner pour que les vidéos apparaissent dans votre page d'accueil quand j'en sors et voilà, que vous soyez informé tout simplement qu'il y a une vidéo qui est arrivée. On se laisse là-dessus, je vous souhaite un bon tricot printanier, j'espère pour vous. Je vois en France, j'écoute les podcasts français où vous êtes tout en train de dire qu'il fait un temps merveilleux, qu'il fait super chaud. Pendant ce temps-là, nous on était sous la neige à Montréal jusqu'à il y a quelques jours. Là, les températures sont remontées, mais semblerait que ce soit maintenant la pluie qui s'invite au rendez-vous. Bon, c'est pas grave, on est habitué au Québec, hein. Le printemps arrive rarement avant le mois de mai, donc on a encore un petit peu de temps à patienter. Et je vous aurais peut-être mis des images de l'éclipse, puisqu'hier nous avons eu l'honneur et la joie d'observer l'éclipse totale qui s'est déroulée donc sur une partie de l'Amérique. Et à Montréal, on avait la chance d'être vraiment sur le trajet exact de l'éclipse totale. Et ça a été vraiment un spectacle incroyable. On a eu la chance d'avoir un ciel vraiment dégagé. Et ouais, ça a été un moment très
très émouvant en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que ça me procure autant d'émotions, mais c'est vrai que en fait, je ne m'attendais pas à ce que le spectacle soit si somptueux, parce que de le voir dans la vraie vie, en fait, ça n'a rien à voir avec les images qu'on peut voir en vidéo ou en photo sur Internet ou à la télévision. C'est, j'ai presque envie de dire que c'est diamétralement différent. C'est comme si c'était pas la même chose en fait. Et c'était juste incroyable, incroyable. Franchement, le moment où vraiment la lune a rencontré le soleil, puis qu'on a pu le voir avec nos yeux sans les lunettes de l'éclipse, enfin les lunettes adaptées pour regarder les éclipses, c'était incroyable. C'était un moment suspendu, la nuit est tombée sur Montréal, et je pense que les gens étaient juste ébahis devant la beauté du spectacle, en fait. C'était vraiment incroyable à vivre une fois dans sa vie. Je crois qu'il y en a une en Espagne dans les pas très longtemps, dans les 2-3 ans à venir. Éventuellement, si vous êtes en France, renseignez-vous, parce que ça vaut vraiment le coup de se déplacer pour assister à ça. Je crois qu'en France, la prochaine est dans les années 2060 quelque chose. En tout cas, c'est pas tout de suite. Je crois qu'on avait calculé avec Loris qu'on aurait 85 ans à cette époque. Donc non, ça doit être dans les années 2080, quelque chose comme ça. La prochaine en France. Donc voilà. Et c'est tout. Et il y a juste un petit truc que je voulais vous dire par rapport à la boutique Etsy, qui est important aussi pour me soutenir. Si vous avez, jamais vous avez passé une commande, n'hésitez pas à laisser un avis. Ça va sûrement vous envoyer un petit courriel ou quelque chose pour vous proposer de le faire. Mais n'hésitez pas, parce que ça, c'est super important aussi pour la visibilité de la boutique, qui ait des avis d'acheteurs en fait. Donc n'hésitez pas à prendre une minute ou deux pour le faire. Ça me ferait vraiment super plaisir et ce serait vraiment un grand soutien pour la boutique. Voilà. Je m'arrête ici. J'espère que la qualité de l'image et du son n'aura pas été trop mauvaise, parce que je me rends compte que j'ai parlé assez doucement, je pense lié à ma fatigue tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon tricot et on se dit à très bientôt. Ceci est la Mathilde du presque montage. En fait, c'est juste que je viens de couper la vidéo et je me rends compte que vu qu'il est déjà tard et que la vidéo est longue, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de montage. Je vais juste mettre les vidéos les unes à côté des autres, parce que j'ai fait plusieurs séquences, et je vais vous envoyer ça comme ça. Donc, si jamais, du coup, vous n'aurez pas. Ouh, très sympa Mathilde. Du coup, vous n'aurez pas les noms de patrons, les photos de patrons. Ça se peut éventuellement, je sais pas, peut-être qu'il y a des moments où je touche ou que je bug ou je sais pas. Je vais vous laisser tout ça brut de pomme. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Et ça vous permettra d'avoir la vidéo déjà, un, demain. Et deux, moi, ça me fera moins de travail aussi, parce qu'il est déjà 8h30 et je suis fatiguée. Et demain, je travaille toute la journée, donc... je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire. Donc je pense que c'est le mieux pour vous comme pour moi. Voilà, j'espère que vous me pardonnez. Allez, bye bye.